Alors, bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo en compagnie de Nicole, qui est une personne qui m'a contacté car elle a vécu une expérience assez fabuleuse hein, lors d'une soirée, lors d'une nuit, une rencontre, ce qu'on appelle les rencontres rapprochées. Alors, c'est entre la rencontre de deuxième type et de troisième type et peut-être même de quatrième type, on n'en sait rien. En tout cas, donc Oui. c'est vraiment quelque chose d'étonnant, de passionnant, et ça a eu toute mon attention. C'est pour ça que je lui ai proposé de venir témoigner sur ma chaîne, et elle va venir vous raconter toute sa magnifique histoire. Alors bonsoir Nicole, bonjour, Bonsoir, Denis. bonsoir ou bonjour, on ne sait pas. Oui, ça sera bonsoir parce qu'elle va sortir plutôt vendredi en soirée. Donc Eh bien, voilà. bonsoir. Voilà, alors Nicole, eh bien, écoutez, moi j'étais vraiment passionné par l'histoire que vous m'avez racontée et je pense que c'est une histoire qui n'est pas terminée et qui a sûrement d'autres facettes assez extraordinaires qu'on ne connaît pas. Et ben, écoutez, je vous laisse la raconter tranquillement et moi je vous retrouve, on se retrouve tout de suite après, je vous poserai peut-être deux ou trois questions qui peuvent aussi interroger nos auditeurs, nos spectateurs. Allez, je vous laisse raconter cette incroyable histoire. Bien, ben, je suis donc Nicole. Bonsoir Denis et puis bonsoir tout le monde. Oui, effectivement, j'ai vécu quelque chose il y a plusieurs années maintenant. Ça remonte à 1985. C'était de mémoire un 5 juillet, un soir d'été, magnifique d'ailleurs. Nous rentrions avec mon mari et mon fils à l'époque, qui était jeune, qui avait 9 ans à peu près dans ces eaux-là, et qui dormait à l'arrière de la banquette parce que l'événement s'est produit. Donc on rentrait de Cognac un soir tard, après une journée passée avec les beaux-parents, et on avait emprunté ce qu'on appelle, pour rentrer chez nous sur une autre ville, un peu plus loin, 40 km, la voie touristique qui longe une rivière qui est très jolie, cette route très agréable, surtout quand il fait beau l'été. Donc on n'était pas pressé de rentrer, on avait passé une très très bonne journée. Et on a emprunté donc cette route touristique qui nous a amené à un événement dont je me rappelle très très bien. Et ce soir-là, ça a commencé sans savoir ce qu'on allait vivre, bien entendu. Ça a commencé sur une petite route donc de campagne, une petite départementale dont je me rappelle pas le numéro, qui se dirige sur la commune de Linars, dans ces eaux-là, dans ce secteur géographique-là. En Charente, donc, hein, je vais peut-être spécifier. Ce soir-là, ben, on roulait normalement, on discutait tranquillement, on n'était pas franchement pressé de rentrer, mais on rentrait pour le petit parce qu'il était tard. Et dans une ligne droite de campagne, donc sur cette petite départementale, la voiture a commencé à manifester des signes de faiblesse, on va dire, puisqu'elle a commencé, on était en phare. Mais elle s'est mise à ralentir sur la route, la voiture. On a senti qu'on allait certainement avoir une panne, ce qui n'a pas manqué de se produire. La voiture, avec son élan, on roulait à quoi? Peut-être 50 km/h, et encore je ne sais pas, a fini par poursuivre sa route en s'arrêtant. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de bruit moteur. Les phares sont restés allumés. Moi, je n'ai pas coupé le contact. On était en panne. Donc la voiture étant à l'arrêt, mon mari est descendu pour aller voir au moteur un petit peu ce qu'il en était. Moi, je suis descendue donc avec lui. Moi, je me souviens avoir le faisceau des phares dans les jambes. Donc là, j'avais dû couper peut-être le contact. Je ne sais plus trop si je l'avais coupé donc à ce moment-là ou pas. En tout état de cause, les phares étaient en fonction. Ils montraient pas de défaillance, on va dire, dans le fait d'allumer, ils éclairaient normalement. Et le temps que mon mari, j'allais dire, entre guillemets, tripatouille dans le coffre, enfin dans le capot du moteur, moi je regardais autour de moi, parce que je n'étais pas très fière à cette heure-ci de se dire on va tomber en panne, on risque de passer peut-être la nuit dans la voiture, on reste campagne, pas une maison, pas un poulet, rien. Et donc, là, à ce moment-là, mon regard, j'ai vu donc d'une colline sur ma gauche, descendant sur la route et la traversant, un petit animal, enfin un petit moyen, ce que j'ai cru être un chien et qui ne me semblait pas être un chien, avec une tête étrange, enfin un drôle de sentiment, une peur m'a pris
en voyant cet animal, dont je parle d'un animal bizarre, avec, là j'ai vu des yeux, ben, on va dire rouge orangé. Est-ce que c'était le faisceau des phares? Parce que quand il a traversé cette petite route, il a regardé vers nous. Est-ce qu'il a été effrayé ou pas? En tout cas, moi j'ai vu ses yeux, sa tête et son allure, c'était curieux. Bon, bref. Mon mari, je lui dis rien. Et le moteur se. Alors, le chien traverse la petite route, va dans le champ en face, s'éloigne. Là, je le perds de vue parce qu'il n'est plus dans le faisceau des phares, il fait nuit. Et le moteur s'est remis en route de la voiture, toute seule. Enfin, tout seul, le moteur se remet en route. Donc, on n'a pas demandé notre reste. On s'est dit qu'il valait mieux profiter de l'occasion que ça reparte pour pouvoir poursuivre notre route et rentrer. Là, on reprend donc, on continue notre périple, on va dire. Et la ligne droite se termine. On monte légèrement sur, je dirais, peut-être, je ne sais pas, 100, 150 mètres. Ça monte. Ça tourne et ça monte. Il y a un petit bois à droite. On arrive à un carrefour. Un carrefour qui est en hauteur, puisqu'après, on poursuit la route en face. Et ça redescend. C'est-à-dire là où on se dirige, on franchit ce carrefour et ça redescend. Donc jusque-là, ben, je regarde droite-gauche, personne sur la route forcément à cette heure-ci. Il était à peu près 1h10 du matin. On s'apprête à redescendre la route que l'on continue en face. Donc on amorce la descente. Là, en distance, je ne sais pas comment exprimer la distance. En très très peu de temps, on amorce cette descente. Je dirais peut-être 200 mètres, je ne sais plus exactement, faut retourner sur le terrain pour voir. Là, apparaissent au loin ce qu'on s'apprêtait à croiser comme étant des vélos qui roulent de front la nuit, avec de lumière qui semble venir sur nous. J'ai pensé que c'était des vélos et je m'apprêtais à croiser donc des vélos. Et plus ces lumières de vélos s'approchaient et nous, on s'approchait de cet endroit-là, et très vite, ça n'était pas des vélos. Ces deux lumières sont apparues, enfin, comme étant donc pas des vélos. Je m'excuse, je m'exprime mal. J'ai l'émotion du moment et se sont mises à nous couper devant, là, carrément se positionner devant notre, au bout du capot de la voiture, au-dessus, c'est-à-dire à notre hauteur de visage, à mon mari qui conduisait pas et moi qui conduisais. Là, comment vous expliquer, j'ai l'impression que le temps s'est arrêté et pourtant, je précise que nous roulions, alors forcément lentement, et peut-être qu'en s'approchant de ce que j'ai vu ne pas être des vélos, ben, interpellés, interloqués, subjugués, je ne trouve pas encore exactement les mots, j'ai pas coupé le moteur, je ne me rappelle pas que la voiture se soit arrêtée. Pour moi, je roulais au ralenti de ralenti. Et j'ai pas pour autant fait caler le moteur, si j'étais trop au ralenti, mais je n'ai pas coupé le moteur pour moi en rouler au ralenti, voilà. Donc ces bulles ont stationné au bout de notre capot de voiture, elles nous observaient. Moi, je me rappelle de ce temps et de la notion de temps qui reste encore très étrange pour moi. J'étais heureuse de voir ça tellement, je veux dire que c'était merveilleux, nous, ce que l'on a vu, ce que moi j'observais, me demandant ce que je voyais. C'était comme des bulles c'était d'une légèreté, d'une beauté, tant par la couleur, c'était léger comme des bulles de savon. J'emploie le mot de bulle dans ce souvenir quand je parle de ces choses. Elles étaient éclairées de l'intérieur, mais elles ne diffusaient pas de lumière à l'extérieur. Elles étaient toutes les deux de taille identique, à l'identique, en taille, en couleur, en émission intérieure de lumière. Il y avait du blanc, du jaune, du bleu ciel, mais un peu de vert. Et ça bougeait dedans, ces couleurs bougeaient. Elles n'étaient pas fixes. Et c'est resté là, mais mon Dieu, la notion de temps me fascine depuis toutes ces années. Ce qui m'a invité à faire énormément de recherches et d'études pour comprendre. Et elles ont stationné là le temps, moi en temps pour nous, notre temps à nous, je dirais, allez, entre 4-5 minutes, ça m'a semblé le temps de prendre le temps de les observer, de les voir, de se dire, mais qui sont-elles? Alors je tiens à préciser que pour moi,
et mon mari, je crois, d'après ce qu'on avait dit plus tard en reparlant, on savait que c'était intelligent, vivant. C'est pour ça que je dis que pour moi, c'était des êtres, c'était pas des choses, même si ça se manifestait sous forme de choses. Pour moi, je garde le souvenir de deux êtres, quelque chose de vivant qui n'avait pas, bien sûr, la même apparence humaine qu'on peut avoir, mais quelque chose de magnifiquement beau. Ça a déclenché en les, donc j'ai eu l'impression même que l'on a été tellement observé, peut-être j'emploierai le mot comme scanné. Et si j'emploie ce mot, c'est que tout de suite, dès qu'elles se sont positionnées comme de petits papillons qui volaient, elles n'étaient pas en station fixe. On aurait dit qu'elles essayaient de tenir leur équilibre au-dessus de la voiture. C'était beau comme tout. Et là, une chaleur, mais alors une chaleur comme je ne l'ai jamais ressentie, s'est mise à envahir par le bas de l'habitacle de la voiture. Et cette chaleur est montée, montée, montée. Ça allait nous... On a senti un niveau qui montait comme si dans de l'eau chaude, on allait être plongé, noyé. C'est monté jusqu'en haut de l'habitacle, ça a complètement rempli cette chaleur, l'habitacle de la voiture. Et là, et est-ce que c'est peut-être, avons-nous ressenti une fraction de seconde de peur ? Moi, je ne peux pas dire ça comme ça. J'étais tellement heureuse de voir ces choses et me questionnant, qui sont-elles ? Qui êtes-vous ? Ça s'est manifesté dans le sens où ça a commencé à bouger pour partir. Ça s'est déplacé, et sur la droite, moi, face à ces bulles, ça s'est déplacé pour partir. Et là, j'ai dit à mon mari, il faut que je les suive, il faut que je les suive, voilà, il fallait que j'aille voir de plus près. Et là, je me rappelle avoir garé la voiture sur le bas-côté, donc de la route, tout de suite, hein, j'ai pas traîné, il me fallait pas une heure pour ne pas les manquer. Et j'ai décidé de courir après, parce qu'elle partait dans un champ, et sans réfléchir, de nuit, je me suis engagée à aller leur courir après. Et j'ai fait ça sur les 50-60 mètres. Là, je savais que j'étais dans le noir. Je les voyais partir. C'est-à-dire que moi, quand je les ai vues de face avec mon mari, elles étaient côte à côte. Mais l'une était plus basse que l'autre. La mienne était plus basse et celle de droite, qui était face à mon mari, le bas de cette bulle était le haut de la mienne. Et quand elles sont parties, je les voyais côte à côte, parce que si c'était des choses plates, on aurait pu penser qu'elles se suivaient et j'en aurais vu qu'une ou voilà un trait ou je ne sais pas quoi. En tout état de cause, j'ai vu de la même façon qu'elles sont arrivées sur nous quand j'ai vu que c'était des bulles et pas des vélos. Je les ai vues repartir de la même façon dans un champ avec un tournant où il y avait un... C'était sombre, il y avait des arbres parce que je les ai vues passer à travers les branches. Donc elles se sont éloignées, elles m'ont ignorée. J'étais un peu vexée quand même. J'étais déçue surtout parce que je n'ai pas réussi, même en les appelant, rester, je ne sais pas qui êtes-vous, voilà. Eh bien, voilà ce qui s'est passé ce soir-là. Je les ai vues disparaître dans un tournant de ce bois, derrière les arbres, et là, plus rien. Puisqu'après, ça partait, je ne sais pas où ils étaient allés, plus loin. Moi, je n'ai pas pris le soin de galoper dans le champ, ne sachant pas s'il y avait du barbelé, un ruisseau, je ne sais quoi. Et l'aventure, ce soir-là, s'est arrêtée comme ça. Depuis ce jour, sachez que moi, j'en garde un merveilleux souvenir. Un moment, je ne veux pas dire magique, j'aime pas ce mot-là, un mouvement merveilleux, vraiment. Et j'ai cru ressentir, je ressens encore, qu'elles ne nous voulaient pas de mal, c'est évident. Elles étaient peut-être curieuses de nous, elles ont peut-être pris quelque chose, elles nous ont peut-être laissé quelque chose, elles ont analysé quelque chose de nous. En tout état de cause, c'était pas du tout effrayant. C'était un bonheur intense qu'on a reçu, qu'on a ressenti. Une joie comme c'est pas permis, mais vraiment un moment, voilà. Et donc, j'en garde un excellent, un merveilleux souvenir. Et depuis toutes ces années de 1985, elles sont avec moi présentes dans beaucoup de tableaux que je peins. Sans vouloir volontairement les y avoir mis, je me suis aperçue qu'elles sont toujours présentes dans ma mémoire et que peut-être inconsciemment, je les transpose dans mes tableaux. J'ai un seul souhait à formuler sur cette terre, c'est que j'aimerais les revoir. J'aimerais, si c'était des êtres, au moins savoir qu'est-ce qu'ils nous voulaient peut-être ou pas, qu'est-ce qu'ils ont peut-être pu nous donner ou pas, pourquoi
Pourquoi? J'ai que des points d'interrogation et une attente, c'est de revoir, de revivre un événement pareil. Je ne sais pas si on en vit deux fois dans la vie, je ne sais pas. Mais j'aimerais tellement les revoir. Pour moi, je garde un excellent, un merveilleux souvenir. C'était terriblement beau et agréable. Ah ben oui, c'est une... Et depuis, moi, on m'a souvent posé la question, comment ça s'est passé après. Ben, les mois se sont poursuivis. On n'a pas osé en parler, pour plein de raisons. Mon mari ne voulait pas qu'on aille ni à la gendarmerie, ni voilà. Moi, j'ai essayé de savoir si ce soir-là, peut-être d'autres gens avaient pu voir, mais comment faire. Il n'y avait pas Internet à l'époque. En tout cas, nous, nous ne l'avions pas. On n'avait pas de portable non plus. J'étais embêtée, je gardais ça pour moi, j'ai essayé de transmettre à ma famille, à mes amis. C'était trop beau, fallait qu'on explique ça, quoi. Qu'on avait vécu ce moment-là et j'ai jamais eu de réponse. Qui étaient ces bulles? Pourquoi? Pourquoi nous, peut-être aussi? Pourquoi ce soir-là plutôt qu'un autre? Et voilà, j'en suis là, je ne sais pas quoi dire d'autre, si ce n'est que vous relatez cet événement dont je garde un magnifique souvenir, vraiment. Voilà. Didier, je vous laisse peut-être me questionner, je ne sais pas. Voilà, donc on constate que... c'est une histoire qui est, pour moi en tout cas, telle que vous me l'avez décrit et telle que je la perçois, c'est une histoire qui est plus complexe que ce que vous avez vécu, à mon avis. Parce que si on repart déjà depuis le début, alors je ne sais pas... Il y avait votre état d'esprit général et de votre mari qui... Ah oui, oui, effectivement, je vais rajouter un détail après, oui. Voilà. Alors, la chose que j'ai oublié de préciser, parce que je suis un peu émue hein, quand même, je ne passe pas une caméra comme ça tous les jours. Quand on a vu cet animal bizarre, que j'ai cru être un chien qui n'était pas franchement un chien, mais bon, voilà, la ligne droite, je vous ai dit, ça montait légèrement, ça tournait, avant d'arriver à ce carrefour. Et précisément, quand on a repris, donc, qu'on n'a pas demandé notre reste, la voiture démarrait, on repartait, mon mari m'a parlé d'une émission qu'il avait vue très récemment, il n'y avait pas plus tard, je crois que deux ou trois soirs avant, à la télévision, très tard dans la nuit d'ailleurs, une émission qui parlait de cabale, enfin c'était des cabalistes, et il avait été très intéressé donc à écouter cette émission que moi je n'avais pas vue. Donc il m'expliquait le sujet qu'il avait entendu lors de cette émission. Et curieusement, avant d'arriver à ce carrefour, allez donc savoir, c'est ce que je dis toujours, pourquoi je lui ai posé cette question. À brûle pour point, je lui ai coupé la parole en lui disant, comme si je sentais qu'il avait peur, ou peut-être moi, je ne sais pas, « Ne t'inquiète pas, de toute façon, on n'a pas à avoir peur, nous avons tous un ange gardien. » Je pensais pas aux anges gardiens à l'époque, mais j'ai sorti ça comme ça. « Tu as le tien et j'ai le mien. » J'ai voulu comme le rassurer. Mais des années après, je me demande si moi, peut-être ayant vu cet animal curieux, peut-être j'ai eu de la peur, du questionnement, c'est sûr, puisque j'écoutais pas trop ce qu'il me disait en fait, je savais que ça parlait de cabale. Et quand je lui ai dit ça, je me suis dit peut-être que j'ai voulu moi me rassurer, possible, inconsciemment aussi. En tout état de cause, je lui ai dit « Ne t'inquiète pas, nous avons chacun un ange gardien, tu as le tien, j'ai le mien. » Et c'est lorsqu'on a franchi donc ce petit carrefour en hauteur, qui redescendait pour qu'on poursuive notre route en face, que là sont arrivés ce que je croyais des vélos au loin, croisés des vélos qui n'étaient pas des vélos et qui sont avérés être ces fameuses deux bulles. Oui. Voilà, ça je ne l'ai pas précisé tout à l'heure. D'accord. Oui, mais il y a des petits... on sent qu'il y a une préparation ou une induction avant l'événement que vous avez vécu. Puis cette histoire de chien aux yeux rouges, alors ça, moi, ça m'a interpellé. C'était bizarre. Moi aussi, ça m'interpelle encore. Hein. Voilà, ça nous fait penser au fameux Dogman, qu'à l'époque, en tout cas, moi, je me rappelle, en 1985, bon, j'étais déjà bercé dans tous ces trucs-là, évidemment, mais on parlait pratiquement... Nous, mon mari et moi-même, pas du tout, hein, ni ange gardien, ni galactique, ni... Absolument pas. On n'en parlait pas, et on en parle maintenant pas mal, bon, grâce à Internet, depuis quelques années, mais on remonte même ne serait-ce que 20 ans en arrière, c'était pas du tout... Oui, c'est vrai. Voilà. Donc, ce qui est marrant, c'est qu'on retrouve
Vous voyez cette espèce de... On va plus peut-être parler de créature que de chien, parce que... Oui, que voilà, voilà. Là, vous m'aviez envoyé une photo, enfin une représentation de ce que vous avez vu. Moi, j'appelle la bestiole. La bestiole étrange, voilà. Le chien bizarre. Voilà, je ne peux pas... Voilà, c'était voilà, curieux. C'est un chien que j'irais ajouter, hein, franchement. Ouais. C'en est vraiment... Oui. Donc, c'est... Et en ce moment, donc, on parle beaucoup de... Moi, j'ai écouté des témoignages aussi de personnes qui auraient vu des dogman dans ma région, pas loin de chez moi. Dans la description, bon, à part que certains se tiennent debout et d'autres marchent aussi à quatre pattes. Mais non, ça marche à quatre pattes. Hein. Moi, ce qui a traversé la route était bien à quatre pattes. Hein. Ouais, alors, des fois, ça part à quatre pattes, des fois, ça peut se redresser. Tout. Bon, on va aller savoir ce que c'est que ces trucs-là. Ce qui est fabuleux, c'est que ça commence par cette apparition qui vous fait peur, parce que bon, en plus, ça traverse la route, ça part dans les champs. En général, c'était surprenant, oui, oui. Un chien, si c'est un chien, les chiens, quand ils se promènent, ils marchent sur les routes. Ils longent les routes. Oui, souvent, oui, la nuit surtout. Chez eux, ils longent les routes, oui. Ils partent pas n'importe où, n'importe comment. Sauf un animal sauvage, genre une biche, un sanglier. Un truc comme ça où ils vous coupent la route et ils tirent tout droit. Mais bon, ce que vous avez vu, c'est visiblement pas. Je peux vous dire que la région d'où je viens et celle que j'ai habitée après, et puis depuis toujours, je connais tout ça. C'était pas un sanglier, c'était pas un chevreuil, c'était pas une biche, c'était pas un. C'était un chien de taille moyenne, genre labrador, hein, comme je le dis dans ma mémoire encore. J'ai vu une couleur marron. Marron. Alors, est-ce que c'était la couleur des phares? Je ne sais pas. Moi, il était marron. Ce n'était pas non plus un renard. Hein. Ça, c'est évident que tout ça, je connais bien. C'était un chien bizarre, la bestiole qui m'a fait penser que ce n'était pas naturel parce qu'en plus, les yeux et la façon dont quand elle a traversé cette petite route qui en largeur n'est pas très large, excusez-moi pour la mauvaise expression, elle a regardé vers nous. Alors, est-ce qu'elle a eu peur des phares? Est-ce qu'elle nous a regardé? Pourquoi? Peut-être c'est elle qui avait peur, mais elle a tourné la tête carrément, tout en courant, mais pas trop vite non plus. Elle a été comme interpellée, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, et c'est là que j'ai vu ses yeux. Mais je ne peux pas dire qu'elle avait des cornes, des machins et des trucs. C'était pour moi un chien étrange que je n'ai jamais vu, un truc bizarre, vraiment. Et une lourdeur dans le déplacement, la démarche, enfin bon, voilà. Un chien un peu lourd peut-être, mais il a coupé la route, oui. Comme un animal sauvage aurait peut-être pu le faire. Ou un chien qui s'est sauvé, j'en sais rien, voilà. C'est votre propre ressenti, je veux dire, bon, quand on voit... Moi, j'ai pas ressenti quelque chose de très bon, je vous le dis. Hein. Voilà. À ce moment-là, quand je l'ai vu, oula, franchement, j'ai eu un sentiment pas bon du tout. Et donc, peut-être de peur à la suite de ça. C'est possible. En tout cas, c'est une réaction que vous avez eue qui démontre qu'il y avait quelque chose d'inhabituel. Parce que, oui, voilà, inhabituel. C'est moins qu'on puisse dire. Un animal de ce style, bon, ça va nous surprendre, on ne va pas avoir peur. On peut croiser un chien errant, même en gros, ou ce qu'on veut. On sait que c'est un chien. Bon, ben, voilà. Une réaction de peur là. Là, vous avez ressenti quelque chose de pas normal, quoi. Oui, exactement. Voilà, je vais le dire comme ça. Oui, c'est vous qui le dites, mais c'est tout à fait ça. Voilà. Donc, hors du commun. Ah, vraiment. Effectivement, il y a eu de temps en temps, il faudrait vraiment enquêter aussi, des témoignages en rapport avec des apparitions de ce qu'on appelle le fameux dogman et des apparitions simultanées avec des ovnis. Aussi, il y a eu. Alors, est-ce que c'est... Est-ce qu'ils n'étaient pas en train de rechercher cette bestiole-là? On peut imaginer ce qu'on veut, hein. Aussi au passage. Je sais pas. On n'en sait rien. Par contre, après, vous allez vivre cette expérience avec ces sphères, là, ces boules. Oui, des sphères, des bulles, oui, oui. Voilà. Oui. Ça va vous apporter que du bien-être, qu'un sentiment de bonheur. Oui, ah, tout à fait. Donc, c'est un contraste qui est saisissant. C'est carrément le contraste, oui, tout à fait. Je suis d'accord, oui, oui. Et je ne comprends pas. Est-ce que c'était lié ou pas? Je ne sais pas. Mais ce même soir. Voilà. Et alors, pour moi, je pense que ça, dans tout ce que vous m'avez décrit, il y a
il y a eu déjà des témoignages un peu similaires et j'ai la sensation quand même qu'il manque une partie du scénario. Ben, je ne sais pas quoi vous dire. Probablement quelque chose que vous avez vécu mais qui vous a été occulté. Je sens, moi, c'est un sentiment que, vous voyez, il y a un début, il y a une fin, mais le milieu, là, c'est, en plus, il y a l'histoire de temps. Hein, vous m'avez parlé de l'histoire de... Oui, la notion de temps, et de, je dirais d'espace et de temps, enfin d'espace dans le temps de parcours, on va dire. Hein. Depuis des années, j'essaie de comprendre, parce qu'il y a une espèce de... Alors, la notion de temps, elle m'interpelle surtout au niveau des bulles. Hein. L'animal, bon, on l'a vu, il a traversé, nous on est reparti, on n'a pas demandé notre reste, ça m'est sorti de l'esprit, et pourtant je vous dis bien, quand j'ai parlé en mettant la main sur la cuisse de mon mari, n'aie pas peur, de toute façon, à ce carrefour, on ne s'attendait pas à savoir ce qu'on allait vivre juste après, qui était complètement différent. Mais ce que je veux dire, le chien ne m'a pas interpellé, la notion de temps, bah, je dirais qu'elle est normale, on a poursuivi notre route, 500 mètres, 600 mètres, je ne sais plus, ça monte, ça tourne, et le carrefour. Jusque-là, je ne m'interpelle pas trop là-dessus, si ce n'est que c'était une bestiole bizarre, je le répète. Mais c'est l'événement des bulles, moi, qui me fascine toujours autant, et qui m'interpelle et qui m'intéresse. Et donc, toutes ces recherches que je fais depuis, pour essayer de comprendre ce que les gens ont vu ou pas, ben, je découvre là peu à peu, parce que j'ai toujours vécu un peu sur moi-même là depuis toutes ces années, dans les études et tout ça, mais j'ai pas été... Vous voyez, quand vous m'avez parlé de Dogman, j'avais vaguement entendu parler de ça il y a que quelques années, et j'avais pas été même voir ce que c'était qu'un Dogman. Là, je suis allée voir récemment l'affaire de Nice, justement, et je me dis, non, c'est pas cette bestiole que j'ai vue, moi, elle avait pas les dents, l'air méchant, elle se mettait pas debout, c'était pour moi un chien bizarre, un animal autre, mais voilà, ça, à part les yeux rouges, ce qui a pu me faire peur et qui m'interpelle peut-être encore, mais c'est tout, quoi, pas plus que ça. Maintenant, les bulles, oui, c'est tout autre chose. Oui, c'est un phénomène pour moi qu'il faudrait fouiller et chercher à comprendre. Là. Oui. Mmh. Ce que je manque pas de faire encore et encore. Mais... Voilà, il y a, que ce soit dans les témoignages de Dogman, il y a des dizaines et des dizaines de témoignages différents. Hein, donc, peut-être. Bon, là, je... Mais bon, il faut commencer à regarder tout ça, comme vous dites. Mais par contre, dans l'histoire. Des bulles, ça, il y a des témoignages qui sont un peu semblables, mais qui datent, hein, qui datent plutôt des années 60, 50, 60, 70. J'essaierai de faire des recherches et vous les transmettre. Hein. Oui, ce serait gentil, oui, bien sûr. Il y a une histoire comme ça, effectivement. J'essaierai de vous la retrouver si je peux, parce que ça date. Il y en a déjà eu après. Bon, on va rester sur la vôtre. Ça serait être intéressant, peut-être, hein, d'essayer d'investiguer, hein, peut-être dans votre sur ce moment-là précisément, quand vous commencez à voir les bulles jusqu'à la fin, pour voir éventuellement s'il manque une partie ou pas. Peut-être qu'il n'y en a pas, peut-être que ça s'est passé totalement. Bah, écoutez, alors oui, je comprends ce que vous dites. J'ai beaucoup réfléchi sans doute à tout ça déjà parce que j'ai essayé de fouiller dans ma mémoire. Je suis quelques temps après cet événement, nous vivions donc en Charente à ce moment-là. Si mon mari n'était pas franchement pressé d'en parler et de revivre la chose, les bulles, il n'osait pas trop quand je lui demandais « qu'est-ce que tu en penses ?» Sachant qu'il avait une vue très différente de la mienne, c'est pour ça qu'il ne pouvait pas conduire. Il avait une très très forte myopie. Alors peut-être n'a-t-il pas vu exactement moi, que ce, je ne sais pas. En tout état de cause, je sais que quand les bulles ont stationné sur au bout de la voiture, là, sur le capot, j'ai peut-être de la peur aussi. Je lui dis « est-ce que tu vois ce que je vois ?» Et là, je l'ai regardé, parce qu'il ne répondait pas tout de suite, chose inhabituelle, et j'ai senti qu'il avait, lui, de la peur. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense qu'il avait peur, mais peut-être parce qu'il s'interpellait, mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi ? Qu'est-ce que nous voyons ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui va peut-être nous arriver ? Ça va vite, hein, dans un questionnement comme ça. Un moment comme ça, ça va très vite dans une tête. Et moi, on était, lui et moi, subjugués, on observait tellement c'était beau, vraiment. Et je pense qu'il n'a pas ressenti d'agressivité, de danger, mais quand même, il se demandait ce qu'on voyait, quoi. Et là, quand j'en ai reparlé avec lui, il m'a dit, tu sais, il serait bon quand même qu'on garde ça pour nous. Il n'avait pas envie d'en reparler ou de faire savoir. Parce que vous savez qu'on passe vite pour les gens qui n'ont pas vécu, qui ne savent pas, qui n'ont pas le truc.
et qui n'ont pas assisté. Il est normal qu'ils aient une réaction différente, mais souvent on a peur de passer pour un petit peu des gens un petit peu pas bien psychologiquement, quoi. Ou qui ont eu une hallucination. Ou, voilà, on sait très bien ce que l'on a vu, tous les deux. Il l'a vu comme moi, enfin les deux bulles en tout cas, mais on ne sait pas ce que c'était. Voilà. Mais il garde on a gardé un excellent souvenir de tout ça. Hein. Mais malheureusement, mon mari n'est plus présent, puisque 16 ans après, voilà, il a quitté notre vie. Hein. Et je ne peux pas en reparler avec lui. Moi, je porte ça depuis comme un, pas comme un fardeau, comme un bon souvenir qui m'interpelle et m'interpellera jusqu'à la fin de mes jours, tant que je n'aurai pas soit revu ces bulles et qu'elles m'aient dit peut-être qui elles étaient et pourquoi. Ouais, j'essaie de chercher à comprendre. Et donc, je vous ai contacté, Denis Dorion, parce que maintenant que j'ai accès à Internet, là, depuis quelques années, et que je me penche sur ces sujets, parce que c'était sorti, non pas de ma tête, mais de mon envie de recherche, depuis quelques temps, je peins, je travaille beaucoup, je me suis dit, tiens, je vais peut-être, quand je vois les YouTube et que tous les gens se livrent, j'ai vécu ça, je me dis, allez, alors il faut te lancer. Et j'ai contacté une chaîne, autre sur YouTube qui s'appelle BTLV et ils m'ont demandé de faire ce témoignage déjà. Je l'ai fait chez eux pour la première fois de ma vie, hein, au grand public on va dire. Et aujourd'hui, je me suis dit, après avoir rencontré votre site, écouté les interviews que vous avez, je me suis dit, Thierry, un invité que vous aviez récemment, a parlé et a dit des choses qui m'ont dit, allez Nicole, contacte Denis Dorion, explique-lui, demande-lui s'il accepte d'écouter toi, ce que tu as vécu, et c'est comme ça que je vous ai contacté. Et je suis très heureuse de réitérer mon histoire, non seulement sur BTLV, mais sur votre chaîne à vous. Ben oui, ben c'est avec plaisir. Si d'autres gens peuvent parler, s'ils ont vécu des choses, qui n'aient pas peur de passer pour des dingues, au mieux, de toute façon, on va dire, c'est un petit peu dans l'air du temps, commence à s'habituer. L'essentiel, je pense, c'est d'avoir le courage d'en parler, de décrire surtout chacun les uns les autres ce que nous, on a vécu, on a vu, comment on l'a interprété, ressenti. Je pense qu'au bout du compte, on finira bien par avoir des réponses. Bien sûr. Des compréhensions. Vous savez, je crois que j'en ai parlé dans, je ne sais plus dans quelle émission, quand j'avais à peu près 20 ans, j'ai vécu une histoire un peu similaire à la vôtre. Dans le sens où j'ai vu, alors moi c'était trois formes lumineuses, mais magnifiques, oui. De multicolores, avec des rayonnements, enfin des choses. Ça m'a laissé une impression, mais c'était magnifique. Oui. Je ne peux pas trouver un autre. Et ces trois présences qui ont traversé toute une rue d'un village, hein, qui sont passées au-dessus de moi, à 2 mètres de moi, même pas. J'ai senti à leur passage, comme vous, que c'était vivant et que ça avait une sagesse, et qu'ils avaient chacun, comme s'ils avaient, entre guillemets, une personnalité différente, mais avec une sagesse et aussi une maturité, une ancienneté. Vous voyez, quand vous rencontrez une personne âgée, un vieux sage, ben, il y en avait certains qui j'ai perçu ça comme sentiment, alors que c'est passé très vite. Et je me rappelle que c'est suivi d'une grosse boule orange qui les suivait derrière. Mais ça a été hyper rapide. Bon, là, je vous la raconte très court parce que je crois que je l'ai déjà raconté. Mais j'avais rien compris. Pour moi, j'étais fasciné par ça. J'ai trouvé ça magnifique. Je me dis, mais pourquoi je vois ça? C'était vivant et intelligent, ce que vous avez ressenti. Pour moi, c'était vivant et intelligent. Hein. Pour moi, c'était des êtres. Oui. Pour moi, ce n'était pas des vaisseaux. Je ne peux pas dire ça. Des intelligences. Volante, comment dire. Ça ressemblait à des formes lumineuses, multicolores, magnifiques. Oui, c'est beau. Différent, avec, comme s'il y en avait des plus âgés que d'autres, des plus jeunes d'autres, mais avec une incroyable sagesse, une spiritualité. Ça a été très vite quand j'ai vu ça. J'ai eu le temps de. Enfin, je ne sais pas comment ça s'est fait. Oui. Mais moi, il m'a fallu 30 ans avant de comprendre ce qui s'est passé. 30 ans en le regardant. Oui. J'ai accepté, j'ai dit, écoute, là, il faudrait que je comprenne parce que je ne comprends pas. Et c'est en faisant une séance d'hypnose régressive que je me suis rendu compte qu'en fait, avant ça, j'avais été amené dans un vaisseau et que quand je les ai vus partir comme ça, s'envoler, c'était au moment où ils m'avaient déposé. Mais j'avais tout occulté avant, donc je me retrouve au scénario de fin.
Il manquait tout. Il manquait tout. Donc, pour moi, c'est sûr que c'était incompréhensible. Ça n'avait pas trop de sens. Par contre, j'ai eu le sens de, de ce que j'avais vécu, mais il a fallu attendre, puisque je n'arrivais pas à me rappeler. J'avais des souvenirs de rêve la veille, le lendemain, où je me voyais dans une espèce de salle dorée, où je recevais des informations. Mais je n'avais même pas fait le rapport. Pour vous dire, à l'époque, je dis, bon, pour moi, si j'avais fait peut-être un peu le rapport, mais c'était vague, j'avais rien sur quoi m'appuyer, donc c'était vraiment subjectif. Mais par contre, la réponse, on peut l'avoir. Je pense qu'un jour, vous aurez... Oui, vous, par les régressions, enfin les séances d'hypnose régressive. Mais voilà, moi, je suis pour le naturel. Hein. Alors, je ne dis pas que ce soit antinaturel, mais je me dis la chose suivante. Je pense au karma, au destin, tout ce que voilà, les chemins de vie et tout ça. Je me dis que si nous avons vécu ça avec mon mari hein, ce soir-là, c'est qu'il y avait très certainement une raison. Pourquoi nous? Pourquoi là? Pourquoi ce soir-là? En tout cas, si nous on n'avait pas une raison, elle l'avait. Mmh. Ou c'est, moi je ne crois pas aux coïncidences, au hasard. On sait, hein, comme a dit Einstein, le hasard c'est lorsque Dieu ne veut pas se montrer. Voilà. Bon, là, ça peut aborder un autre sujet, mais bon, ce que je veux dire par là, c'est que le hasard, moi, j'y crois de moins en moins quand même, hein, et voire plus du tout. Donc, je me dis qu'il y a certainement une raison que l'on ne maîtrise pas, que l'on ne comprend pas. Eux en avaient une, très certainement. Et quand vous abordiez tout à l'heure, vous m'avez dit, il y aurait eu comme un début, une fin, et au milieu, il y aurait peut-être eu un trou, je ne sais pas. C'est un peu la notion... C'est un peu ce que je ressens quand je vous parle de vitesse et de distance sur le terrain. Lorsque je vous ai dit que j'ai eu l'impression qu'on avait été arrêté dans le temps s'est figé, c'était un autre temps et un autre espace peut-être bien, mais je garde quand même l'idée qu'à ce niveau-là, il y a quelque chose à comprendre, c'est évident, mais que peut-être, quand vous dites que par l'hypnose régressive, on peut comprendre certaines choses, je me dis qu'il s'est peut-être passé pendant ce laps de temps arrêté pour nous et peut-être pas arrêté pour eux ou vice-versa, il s'est passé peut-être soit une analyse de notre personnalité, pas physique uniquement, mais complète, de leur part, soit ils ont pris peut-être, analysé autrement, je ne sais pas, extrait quelque chose de nous, ou moi j'ai l'impression plutôt qu'ils nous ont offert quelque chose, qu'on a reçu quelque chose, je ne peux pas vous dire quoi. Moi, je pense avoir reçu des choses que je n'avais pas avant et que j'ai depuis, et de plus en plus, et auxquelles j'attache une importance, mais je dirais autant que même voire plus qu'à ma propre personne, parce que je les remercie, si c'est ça. Et je dois les remercier, ces deux êtres, ces deux choses, ces deux intelligences qu'on a vues. Ça m'a, moi, laissé quelque chose. Mon mari, je ne sais pas, il ne peut plus nous en parler, malheureusement. Mais c'était bénéfique, si c'est ça. Je le ressens comme ça. Et je le vis comme ça. Et concrètement, ça se manifeste comme ça. Maintenant, vous dire qu'on serait peut-être parti, on a peut-être été enlevé l'espace d'un temps. Moi, je n'ai pas ce souvenir d'être, ni d'avoir été, comment on peut dire, extraite de moi-même pour aller ailleurs, ou l'espace d'un temps, hein, entre guillemets. Non, je n'ai pas ce souvenir-là. Pour moi, on était tous dans la voiture. On y a... Mais oui, cette notion de temps est très étrange pour moi, en tant qu'humain. Elle est très étrange parce que quand je me rends sur place, que je refais le parcours avec le souvenir du vécu que j'ai encore bien en mémoire, je me dis qu'il y a quelque chose qui est décalé. La distance sur le terrain, à l'allure où nous roulions, alors que je dis bien ne pas avoir coupé le moteur, m'être arrêté, ça nous a, moi, laissé maintenant l'impression qu'on a été stoppé quand même dans le temps. La preuve, c'est qu'on a passé au moins, alors là aussi la notion de temps, 5-6 minutes au bout du capot à les observer, alors que je roulais. C'est ça que je n'arrive pas à comprendre, tout simplement, et qui me fascine. J'essaie d'étudier beaucoup les notions d'espace-temps. Je vous passe tous les scientifiques que je peux suivre pour comprendre, essayer de comprendre, essayer peut-être d'avoir une réponse, une compréhension quoi, à ce qu'on a nous vécu. Bien sûr. Alors, voilà. Moi, si vous voulez, votre témoignage, ce que vous avez vécu, je le différencie totalement des cas d'enlèvement. De ce qu'on appelle des abductions. Oui, moi aussi, je ne peux pas dire qu'on a été enlevé, c'est ce que je vous dis.
c'est pas du tout pour moi similaire à une abduction classique avec les petits gris qui vont faire des expériences sur vous, etc. Moi, je pense plus plutôt qu'à la limite, vous avez été invité. Ce serait possible. Je n'en sais rien. Hein, à voir. Parce que, vous voyez, cette notion qu'ils vous ont apporté quelque chose, qu'ils vous ont donné quelque chose. Donc, c'est vraiment quelque chose de lumineux. Et qui nous dépasse peut-être. Peut-être qu'il ne faut pas non plus vouloir trop en savoir plus. Hein, je ne sais pas. Hein, peut-être qu'il faut pas, c'est possible. C'est pas des choses telles qu'elles sont. Mais en attendant, pour moi, bon, ce n'est pas du tout un cas d'abduction négative ou autre. Je vois plus comme vraiment une rencontre d'âme, quoi, d'âme, d'intelligence. Parce qu'il y a de la bonté dans ce que vous racontez, vous voyez. C'est pas de la bonté, c'est plus que de la bonté. Mais je ne veux pas dire le mot amour, il est tellement galvaudé. Il est beau ce mot, bien sûr. Je dirais, si c'est ça, ils ne s'occupent pas de tout ça, ils sont bien au-delà de ça encore que cet amour que nous, on connaît en tant qu'humains. C'était quelque chose hors du commun, mais vraiment, mais tellement beau, tellement bon, tellement merveilleux, voilà. Oui, voilà. Mais depuis, ça m'a porté, ça m'a créé. Moi, s'il y a des gens qui ont été traumatisés, ce n'est pas du tout le cas. J'ai pu constater, sans vouloir faire la notion de rapprochement avec cet événement, dans ma vie, ça me porte encore. Ça me donne beaucoup de force, ça m'a amené beaucoup de choses, ça m'a amené, je dirais, ça m'a conduit, entre guillemets, sur un cheminement auquel je ne m'attendais pas et dont je suis très fière et que je peux être fière, je pense. Voilà. Mais grâce, je pense que c'est grâce à ces êtres, c'est pas des choses, ce sont des êtres. De ce moment-là, de ce soir-là. Et peut-être nous ont-ils donné. Moi, c'est le sentiment, c'est qu'on a reçu quelque chose. Ils ne nous ont pas enlevé quelque chose. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est l'énorme différence entre des rencontres, des abductions où la personne revient, elle n'est pas forcément bien, elle est traumatisée. Ah non, non, là, moi, je vais vous dire, on est reparti enchanté, fasciné, quoi. Voilà. Voilà. Donc, et puis je pense que. Si même il manque peut-être des explications, je pense que si on fait taire un peu notre mental là, qui est toujours en train de cogito, là, ben voilà. Et qu'on écoute tout simplement nos intuitions, nos propres ressentis, je pense qu'on peut trouver les réponses. Oui, je confirme ce que vous dites, effectivement. C'est que c'est le travail que j'essaie de faire en désespoir, j'ai pas d'autre réponse par d'autres voies, par le mental ou par la recherche, on va dire intellectuelle. Je vis avec ce ressenti depuis, et je me suis dit que je ne me fie qu'à ça. Et effectivement, je crois que je commence à comprendre. J'ai une autre approche de cette fameuse compréhension. Hein. Alors, quand j'en ai parlé avec des gens qui sont dans ces sujets-là également, on me dit, comme vous aviez parlé d'ange gardien, est-ce que ça ne serait pas une preuve? Est-ce qu'ils ne se seraient pas manifestés à vous juste après pour vous prouver que oui, qu'ils existent? Mais moi, des anges gardiens, je n'en ai pas vu, si c'est ça, à moins que c'était ce soir-là le cas, et qu'ils me pardonnent si c'est ça. Mais ces deux bulles, peut-être, c'était, on m'a dit, vos anges gardiens. Et ils ont tenu à vous prouver que oui, vous aviez chacun le vôtre. La preuve, il y avait deux bulles. Et on avait ce soir-là, lui et moi, mon mari et moi, la sensation qu'il y avait une bulle pour moi, une bulle pour lui. Le pire, c'est ça. Et curieusement, concrètement, mathématiquement, géométriquement, il y en avait une en face de moi et l'autre en face de mon mari. Enfin, bon, voilà, moi, c'est mon mental là qui essaie de faire le... Mais je pense que c'était de toute façon des êtres intelligents et c'est même plus que bienveillant, quoi. C'est plus qu'amour. C'est plus que tout ça. Voilà. Et puis, des anges gardiens. Rien n'empêche que ce puisse être des extraterrestres. Alors, c'est extra-humain en tout cas, hein, extra-humain, voilà, donc extraterrestre, forcément. Mais. Ça n'empêche pas l'autre. Hein. C'était peut-être pas. Des êtres, voilà, comme ça, je ne sais pas. En tout cas, on n'a pas été ni agressé, ni on a eu peur, ni on a ressenti, à part cette grande chaleur. Mais c'était fantastique et je pense que c'est ces bulles qui dégageaient cette chaleur en fait. Oui.
C'est bon, mais voilà. Écoutez, Voilà, Nicole, c'est. je suis ravi d'avoir pu écouter votre magnifique témoignage. J'espère que tous les auditeurs, tous ceux qui nous ont regardés, ben, ont aimé. Et si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre les likes, les pouces bleus à chaque fois que vous regardez une vidéo, si ça vous plaît, évidemment. Et puis, vous pouvez aussi la partager sur les réseaux sociaux, hein, voilà, pour faire partager ce genre de témoignage au plus grand nombre. Voilà, ça sert également à l'ouverture de conscience, hein, sur d'autres oui. aspects de ce que l'on peut vivre sur Terre. On n'est pas toujours métro, boulot, dodo. Il se passe plein d'autres choses étonnantes. Beaucoup de personnes vivent et ça va dans une direction qui est là pour nous ouvrir sur d'autres. Je pense aussi, oui. Voilà, je pense que vous avez raison, Denis. Voilà. Voilà, et sur ce, on va vous quitter. Je remercie Nicole d'être venue une fois de plus. Et puis, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, ce que vous en pensez. Et puis voilà, passez donc à tous une bonne soirée, une bonne journée. Et moi, je vous retrouverai très bientôt pour une autre vidéo. Il y en a encore d'autres qui vont arriver. Allez, au revoir Nicole et au revoir à tout le monde. Oui, bon, au revoir à tout le monde. Et merci. Et merci.